Okay, so I would like to introduce for Ingrid Weir, si vous voulez, Professor Ralph van der Pol, Professor de University de Hamburg, a specialist of regenerative agriculture, a geomancy, how do you say, repairing the magnetic lines. Yeah. He's an expert. It's wonderful. Thank you. Yeah, merci, Dan. Je vais parler sur l'agriculture régénérative ou régénératrice, et c'est sur le terre vivant. Je suis directeur d'un institut de recherche à Hambourg, au nord de l'Allemagne, et nous faisons des choses aussi sur traitement des eaux avec des stations d'épuration, réutilisation de l'eau et toutes ces choses-là. Mais la chose le plus intéressant pour moi-même, c'est de faire des terres vivantes et de faire des régions rurales qui fonctionnent au niveau de... On a de l'eau, une société à bonne santé mentale et physiquement. Et nous faisons des choses avec mesurer la qualité des terres, contenu de biologie. Nous avons développé un système de production de riz le plus bon du monde. Et ça, c'est un riz sèche. Et ici, on peut facilement produire du riz. Et en fait, une combinaison de riz et des beans. Haricots, oui. Haricots et riz, ça marche très bien. L'haricot fait de l'azote dans la terre et tout ça marche très bien. Nous avons développé un robot de désherbage sélectif et aussi nous avons travaillé sur un système d'aquaculture, de produire des poissons, nourriture de qualité pour le cerveau. Et on peut faire une combinaison avec les réservoirs. On peut utiliser les réservoirs pour produire des poissons, mais aussi utiliser l'eau. Et j'ai deux livres différents. L'un, ça c'est Garden Communities, c'est peut-être Nouveau Village, Révitalisation des espèces rurales. Et ça, c'est d'avoir une économie locale. Aujourd'hui, on est dépendant d'une économie globale qui fait des choses étranges. Et pour ça, c'est nécessaire que nous travaillions avec une économie locale basée sur vraies choses, des terres vivantes, de l'eau, et aussi de... être innovatif comme ici. Et ça, c'est une idée pour comment on peut faire des choses pour les cités, les régions rurales et aussi pour la mer, pour les océans. Et on m'a donné une suggestion pour améliorer le livre. Et ça, c'est mieux? Ça ou ça? C'est mieux, peut-être? Oui? Bon, la structure. Destruction du sol, c'est la destruction du climat. Parce que les hommes, ils détruisent le climat, mais avec destruction de la terre vivante. Avec ça, il ne pleut plus. Et avec ça, on a la sécheresse et tout ça. Nous, on connaît ça. Et on peut faire le contraire. Et humus, base de la vie sur Terre. Et on a beaucoup de bonnes voies dans l'agriculture et pour une économie locale.
Et ce sont les deux chemins qu'on peut prendre. L'un, c'est un terre dévastée. Et je préfère d'avoir une terre vivante. Et l'homme a détruit beaucoup de sols fertiles, mais on a aussi fait beaucoup de régénération. Ça, c'est étonnant. Normalement, on dit, bon, en Afrique, tout va très mal, on détruit tous, mais on a des régions là, au Sahara, sud du Sahara, on a une amélioration. C'est étonnant, parce que les hommes, comme on a une catastrophe, les gens inventent les choses, on change les voies. Et on a fait ça là, et aussi à l'Australie, c'est l'agriculture biodynamique qui a fait des terres vivantes. Et aux États-Unis, aussi, on a des gros espaces qui sont améliorés. Et ça, c'est grâce à la agriculture régénérative. Et on peut faire ça aussi avec les régions détruites. On a beaucoup de ça. Ce sont les régions détruites. Même ici, au Chine, c'est détruite. Il y en a 2000 ans. Ce n'est pas nous seulement, mais toutes les cultures ont se détruit même par la destruction des terres vivantes. Mais on peut faire quelque chose de différent. On peut faire des terrasses, ramasser l'eau, et avec ça, on a une région verte et productive. Et ça, c'est un grand projet. Mais aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de projets comme ça. Normalement, ce sont les gens de la région qui font ça, pas les gouvernements. Ils ne sont pas intéressés parce que, comme les terres sont mouries, les banques ramassent tout ça et ce n'est pas bon. C'est mieux de faire des terres vivantes pour la production locale. Bon, avec ça, je vais parler sur l'humus, la base de la vie sur Terre. Et on a fait une catastrophe avec l'azote, l'azote minéral. La production, ça s'est augmenté incroyablement et ça fait pas du sens, pas du tout. Et l'efficacité de l'utilisation 80%, oui, 80, mais j'ai habité au Belgique, 80, culture de céréales en 2000, 30% d'efficacité d'azote, et aujourd'hui, globalement, 17%. C'est ridicule. Et ça, fait une pollution de la nappe phréatique catastrophique. Ça coûte plus que toute la production pour améliorer l'eau potable. C'est incroyable. Et professeur William Albrecht aux États-Unis, il a dit quelque chose d'étonnant en 1940. Et je vais le lire. Les formules en grès, NPK, N c'est l'azote, phosphore et potassium. Les formules en grès, NPK, comme régulées par les départements d'agriculture, mènent à malnutrition, attaque par insectes, bactéries et champignons, rachat par des herbes, perte de récolte en tombe sèche et une perte en clarté mentale dans la population, menant à des maladies dégénératives métaboliques et une mort prématurée. 1940.
Et pour nous, c'est quelque chose, ah, c'est pas bon. Mais pour les gens psychopathiques, ils veulent de gagner de l'argent. Et on a cherché les produits chimiques pour détruire les insectes et tout ça. Tous les problèmes sont un grand, grand industrie. Mais ce n'est pas l'industrie normale, c'est une industrie parasitique. Les plantes, ils savent que une terre fertilité avec l'azote minéral et tout ça à gauche, à droite, c'est une terre biologique avec beaucoup de humus. Et les plantes, ils préfèrent ça. Et la chose importante, c'est là, à la droite, on a plus de production. C'est aussi, on va produire plus avec ça. Bon, on a un autre champ de travail, ce sont les oligo-éléments. Et ils faut voir, peut-être octante et plus sont nécessaires pour un système qui marche bien, mais il faut regarder 25, environ 25. Et l'agriculture, on regarde peut-être 5, peut-être 10, comme on fait vraiment beaucoup, mais c'est pas bon. Les oligo-éléments, c'est nécessaire pour une plante à bonne santé et pour les hommes à bonne santé. Avec un manque du lithium, on ne peut pas être heureux. Avec une terre qui ne produit ça, ça marche pas. Les hommes sont dépressifs. Et on peut ajouter poudre de basalte, des choses comme ça, dans les régions volcaniques, c'est les zones bleues, hein. On a beaucoup d'oligo-éléments et là, les gens sont heureux et ils vivent très longtemps. Les oligo-éléments, c'est une base d'être capable d'être heureux et à bonne santé. Alors, la productivité de l'agriculture aujourd'hui, c'est que la nature fait. L'agriculture chimique fait comme ça. C'est incroyable, avec toute la production d'azote, avec beaucoup de l'énergie et tout ça, on fait comme ça. C'est pas impressionnant. Mais on peut changer à revivre la terre, et on peut produire. Comme la nature, c'est naturel, hein? Mais il faut savoir comment à faire. Et le docteur David Johnson, États-Unis, il a cherché quels sont les facteurs pour faire les plants pousser bien. Ce sont les barres en rouge. Et comment on voit à gauche, la grosse production, c'est avec azote minéral zéro. Et c'est normal parce que l'azote minéral, ça détruit la vie dans la terre. Les plantes, ils ont besoin de l'azote, mais l'azote organique. Et tout ça, on pense que ça, NPK, c'est nécessaire aux formes minérales, mais ça fait pas du sens. Mais aussi, la masse organique, on n'a pas une bonne corrélation. Et Dr. Johnson, il a trouvé une corrélation formidable, et ça était vraiment étonnant. C'est très nouveau, quelques années. Et il a trouvé que la proportion des champignons à bactéries. Ça, c'est
la chose la plus importante pour un sol, une terre vivante, pour avoir des plantes qui sont à bonne santé et qui poussent très bien. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et ça, c'est un chemin pour améliorer la terre. Les champions de sol. Champignons. C'est mieux? Merci. Champignons. Ah, the champion, not champion, champion. Je n'ai pas parlé français pour quelques mois. Ça, c'est vraiment quelque chose de bon. Et Johnson, il a développé une méthode de compostage pour ça. C'est nommé Johnson Soo, No Turn. On fait un compost avec un bon aération, mais on ne tourne pas. Beaucoup de compost aérobique, on les tourne tout le temps. Et en fait, une destruction des champignons. Des champignons. Et avec ça, il a trouvé que le nombre de micro-organismes dans le compost, c'est 4 semaines, 22 semaines, et il laisse le compost pour plus longtemps, et c'est comme ça. Et les organismes qui sont ajoutés, ce sont les vraiment importants pour une terre vivante. On trouve beaucoup sur ça, beaucoup des fermes aussi en Europe font ça, et ça c'est vraiment bon. On a aussi des autres bons composts, mais il faut vraiment regarder les champignons. Une autre chose pour améliorer le sol, la terre et les plantes, c'est le thé de compost. Et ici, c'est une image de l'Australie. Et on voit un châtaignier et le thé de compost a seulement appliqué à gauche. Et ça, c'est incroyable. Avec le thé de compost, ça pousse très, très bien. Et comme on ne fait rien pour ça, on dit « Ah, ça ne marche pas dans cette région. » C'est seulement parce qu'on a une terre qui est née, n'est pas vivante. Et c'est aussi quelque chose où on a... besoin des champignons mycorhizes. Les champignons mycorhizes, ils peuvent prendre de l'eau de la profondeur, ils peuvent prendre les oligo-éléments de la profondeur, et ils sont très très spécifiques. Toutes les plantes, ils ont des autres mycorhizes, et ça c'est une art de les replanter. Et les arbres d'olive qui sont morts, c'est parce qu'on n'a pas des champignons de terre. On peut tourner ça facilement. C'est ridicule comme les fermes détruisent soi-même. Et c'est dommage. On peut faire ça au niveau local. En Suisse, on a Adrian Ruby. Il est un... il a une ferme au Suisse. Il a développé ce système-là, mais on peut faire des autres choses. On peut faire une production locale. Nouvelle-Zélande, on a Evan Campbell, il a trouvé les méthodes d'améliorer la terre, et ça c'est une comparaison à gauche, c'est la terre détruite,
Et il a reconstitué l'humus en 4 ans. C'est la terre à gauche et à droite. C'est étonnant, 4 ans. Et il a trouvé que le silicium joue un grand rôle pour les sols là. Il faut observer, regarder, essayer les choses et on peut trouver les bons chemins. Alors, un sol riche en humus retient l'eau comme une éponge et régénère la nappe phréatique. Un sol riche en humus empêche en grande partie la sécheresse et les inondations. Et ça, ce n'est pas changement de climat, ça, c'est la destruction des terres, de la sol. Alors, on a de nombreuses bonnes pratiques dans l'agriculture. Les principes ou les éléments sont clairs. L'adaptation au site est un art majeur. Et ça, c'est quelque chose pour apprendre. On a des livres. Un des gens qui a fait l'agriculture régénérative connue mondialement, c'est Gabe Brown. Il a une ferme de 2000 hectares. Et il a sauver la ferme avec l'agriculture régénérative. Et le livre n'est pas disponible en français, je crois. Il est là en allemand maintenant, mais on trouve beaucoup aussi en français par vidéo YouTube et comme ça. Les matériaux en français sur l'agriculture régénérative, c'est régénératif suisse, ou Suisse régénératif, et c'est une organisation qui travaille en allemand et en français. Et ça, on a des classes on peut faire. Ils sont vraiment bons. Alors, pour les éléments, moi, j'ai 7 éléments. Normalement, c'est 5 éléments. Mais maintenant, on a les choses que Dr. Johnson a trouvées avec la proportion des champignons aux bactéries. Et le deuxième que j'ai ajouté, c'est d'observer tous les oligo-éléments. Et après, ce sont les autres choses, mais j'ai trouvé un élément additionnel, et ça, c'est le plus important. Et alors, c'est la géobiologie. j'ai planté quelques mûriers au même temps. La même terre, les mêmes conditions, et à gauche, c'est un des deux arbres plantés au même temps. À droite, cet arbre est comme ça, l'autre comme un doigt. Et j'ai pas vraiment comprenez, parce que je suis un géobiologiste, mais je n'ai pas regardé mon propre jardin. Mais maintenant, j'ai fait ça. Et ça était que cet arbre à droite, il est sur une place qui a beaucoup d'énergie vitale. L'autre était sur une place, c'est le plus et c'est le moins. Et c'est comme cet arbre-là, il n'a pas de l'énergie pour
être à bonne santé ou développer. Et j'ai ajouté une coil Lakowski. Bobine de Lakowski. Et on peut regarder ça, très simple, 10 minutes de faire ça. Et l'arbre a commencé de pousser. C'est le vert plus jaune, peut-être. Trois semaines après, une branche comme ça, ou deux. Étonnant, il n'a pas développé pour des années une petite intervention et... Ah oui, et j'ai utilisé le temps mathématique pour la grandeur et elliptique et avec le ELFI, calculation ELFI. Oui, c'est vraiment bon. Bon, les autres éléments, je vais pas faire tout ça. Pour la vidéo, on peut arrêter et lire ça. Mais une des choses le plus important, c'est de ne pas perturber le sol trop. Et comment on tourne le sol et on laboure le sol très profondément, on détruit les champignons. Et la plus importante partie de notre production, les producteurs sont les organismes dans la terre. On détruit les et on va avoir des bonnes productions et pas aussi des bons produits. Parce que une terre riche, ça fait un goût formidable et aussi on a bonne santé parce que les oligo-éléments, ça fait le goût pour la vigne, n'est-ce pas? C'est vraiment la terre qui fait une vigne bon. So, un vin bon, c'est une bonne terre avec tous les oligo-éléments. Et ça, c'est la même chose pour notre brocoli ou tout ça. Et on a des autres éléments ici. C'est aussi d'intégrer des animaux et aussi faire de l'agriculture agroforesterie. On fait ça beaucoup en France déjà. C'est bon. L'agriculture régénérative, c'est le métier le plus complexe du monde. Et j'aimerais d'avoir un système où on a des paramètres qui sont mesurés et on a donné des méthodes pour améliorer la situation. On peut faire une semence directe, on peut faire ça à escale petite, mais aussi en escale grand, là-bas, ce machin-là. Et là, ça c'est une machine de la France, semence directe. Et ça marche très bien, mais les gens, ils disent qu'on a besoin de l'herbicide, on va appliquer le glyphosate, mais je connais des gens qui appliquent la Coca-Cola et pas le glyphosate. Ça marche très bien, ça coûte un peu moins et ça marche. Et aussi, on peut faire une mixture de sucre et acide phosphorique. Une petite idée pour la production locale.
Bien sûr, c'est entendu, mais... Terre vivante, et quelle est la méthode pour regarder que la terre et les produits sont bons? C'est normalement d'une analyse, ça coûte beaucoup ça coûte très très cher. Et on a un instrument simple, c'est le réfractomètre. On utilise ça beaucoup dans la vigne. Dans la vigne, comme on dit là-bas. Et ça, c'est ici pour mesurer le feuille. On peut presser le feuille pour être un petit peu de la plante et on peut mesurer ça. Et comme c'est, comme ce taux est très haut, c'est le sucre qu'on fait une mesure de sucre en sucre. Et mais ça correspond de la contenu des nutritifs. Et avec ça, on a un instrument, ça coûte 30 ou 40 euros, très très simple, mais il faut avoir un d'une escale 0 à 20 ou 0 à 35 pour 100 sucre. Pas comme dans la vigne où on a 65 ou 70 ou quelque chose, parce que c'est l'escale pour le feuille. Et avec ça... L'échelle, merci. Et ça, c'est quelque chose pour acheter. On va dans le magasin et on peut essayer dans le magasin. Et on peut dire, OK, c'est bio, mais c'est pas bon. Et c'est pas rare, malheureusement. Chimique, c'est... rarement vraiment bon, mais aussi le bio, c'est pas toujours bon. Et avec ça, on peut savoir. Bon, les oligo-éléments, ils jouent ensemble. Il faut regarder tous et pas seulement ajouter ça. C'est la même chose pour notre corps. Comme on ajoute beaucoup de zinc, par exemple, on va perdre le cuivre et le sélénium. Et on fait un la balance ne marche pas. Regardez tout le système et c'est mieux de vraiment regarder la santé des plantes. Comme les plantes sont à vraiment bonne santé et ils poussent très bien, la terre est bonne. Bon, l'application pour oligo-éléments, parce qu'on a des terres qui manquent de beaucoup, et on peut faire un spray pour les feuilles, et c'est spray, un écume, ou c'est quoi? Pulvérisé sur le feuille. Et avec ça, on peut ajouter tous les oligo-éléments. Et ça, c'est une recherche de 3 ans, jour et nuit, de Dr. Stefan Hügel. Il a fait le docteur avec moi. Il était vraiment bon. Et il a trouvé que ce sont les éléments de mesurer ou d'ajouter comme ils sont, comme on a un manque. Et le coût des oligo-éléments, c'est minuscule. La plus chère, c'est l'azote. Mais c'est détruit la terre. Oui, c'est ça. Et avec ça, on peut voir même le lithium pour avoir les clients heureux. Avec un manque de lithium, et les gens, ils ne peuvent pas être heureux. C'est
C'est incroyable. C'est un antidépresseur. Oui, oui. Mais comme oligo-élément, pas dans, dans les cliniques, ça c'est fou, bonne nourriture de la terre vivante, et on va avoir ça. On en trouve dans les batteries électriques maintenant. Hein, oui, le goût n'est pas bien. c'est pas bon pour les dents. Alors, agriculture régénérative, cet élément, mais le plus important, manque. Et ça, c'est la géobiologie. Et ça, c'est quelque chose. J'ai fait la géobiologie depuis 30 ans. Et maintenant, je réalise que c'est absolument important pour l'agriculture, pour le maraîchage, tout ça. Et ce sont les grandes lignes. Et on a une distribution partout. Ici, dans cette salle, on a une distribution de l'énergie saine. Mais dans le champ, on a toujours les choses qui ne marchent pas bien. On a l'énergie vitale qui vient. Et on a des petits êtres parasitiques, peut-être. On a un chemin fer qui coupe les énergies vitales et des autres choses. Les gens de la région sont dépressés. Les plantes, pas heureux. Mais comment coupe les êtres parasitiques? Nous avons fait ça ici ce matin. C'est pas difficile, mais il faut être un peu prudent. On a des grosses qui sont dangereuses. Mais la plupart du temps, ce sont les êtres qu'on peut envoyer pour la prison. Et avec ça, les gens peuvent être heureux et les plantes vont pousser. Un expériment scientifique par le docteur d'agriculture, Uwe Mielke. Il est aussi un géobiologiste. En anglais, c'est géomantie. Et géomancie, c'est étrange en français, n'est-ce pas? Géobiologue. Un géobiologue. Et il a fait un expériment avec un champ et une partie du champ, il a laissé comme il était, et l'autre, il a harmonisé au niveau de géobiologie. Il a ajouté quelques fréquences pour aider les plantes. Et ça, c'est au même temps, et la différence est évidente. C'est seulement une intervention géobiologique. Et on a des méthodes et les instruments, l'instrument de la géobiologie, les baguettes et tout ça, le pendule, mais aussi on a une géobiologie scientifique. Et les choses de Dan Winter, c'est aussi de mettre un... la science dans la géobiologie, et j'aime ça, c'est vraiment bon. Pas dire, j'ai apprendre l'année prochaine de toi, c'est pas des êtres démoniques, mais les êtres parasitiques, c'est ça, c'est scientifique. Les êtres démoniques, c'est peut-être, on ouvre... Un champ de peur peut-être, mais les êtres parasitiques, c'est bien. Aussi, dans la champ, on a quelque chose, on dit à l'Allemagne, l'herbe n'y pousse plus. Et ça, ce sont les observations après une guerre.
On a beaucoup de gens qui sont mourus, qui sont morts avec un trauma, et ils restent là, parce qu'ils ne trouvent pas leur chemin. Et ils prennent de l'énergie vivante, et ce champ-là ne travaille pas très bien. L'herbe n'y pousse plus. C'est une observation de la population rurale. Et c'est vraiment facile d'aider les gens mourus. Les morts. Les morts, ok, merci. D'aider les morts. Et c'est que la plupart d'eux, ils veulent avancer. Et ça, c'est une chose de 5 minutes. Et c'est facile. Mais il faut avoir quelques gens qui font ça. Et on a, traditionnellement, on a fait aussi un... l'Église a fait une cérémonie pour le chant. Et ça, c'est aussi un équilibre énergétique, une bonne relation avec le chant. Et bon, c'est quelque chose vraiment important. Et aussi, on a une technologie de géobiologie qu'on a fait beaucoup les derniers jours ici, c'est l'Agnihotra, une cérémonie au feu, et ça prend beaucoup de l'énergie pour la région. C'est vraiment bien. Pour l'eau, on peut faire la vitalisation de l'eau, structure vivante, avec The Imploder de Dane Winter, et ça marche très bien. Et on a des expériences avec ça. Et pâturage par portion, c'est vraiment bon. Des portions pour un jour. Et avec ça, on a beaucoup de nourriture pour la terre. Et après, et les animaux, ils doivent manger tous. Et avec ça, c'est mieux pour leur santé. Comme ils marchent partout, ils seulement prennent leur herbe préférée, et ça va être moins et moins. Et avec ça, on peut avoir un repas plus bon pour la santé. Et on peut faire des choses comme ça. Au Suisse, avec Adrian Ruby. Et bon, quelque chose pour lire. Je peux vous donner le fichier comme vous voulez. Agroforesterie, nord-sud. Et on a normalement, en France, on a beaucoup plus de l'argent de la même espace. C'est normalement 150% de profit pour la ferme. C'est vraiment bon. Et dans les années très chaudes, l'ombre, c'est vraiment bon pour la terre. Et on peut produire les châtaigniers, par exemple. Au moment, c'est la plupart pour l'énergie de bois, mais j'ai un champ à l'Allemagne où je prends les châtaigniers, les walnut trees, et tout. Noisetier. Ok. La culture de châtaigne en Suisse, ça revient. Ça s'est récupéré au moment. Et j'ai vu les vaches. Et ils mangent aussi le feuille. Et ça, c'est aussi bon pour leur santé. On a le choix.
Et on a à l'ombre là aussi. Bien, je vais te rappeler avec un peu de poudre de bois, carbone de bois. Mais on a les mêmes principes éléments pour l'agriculture et l'horticulture. Et pour moi, un bon développement pour le futur, c'est qu'on a des régions rurales plus vivantes, comme on a des gens qui produisent et on a assez de gens pour avoir une communauté intéressante. Et ça, c'est mon livre Garden Communities. Et l'idée, c'est d'avoir au moins 150 à 200 personnes dans une communauté comme ça. Et avec ça, on a le secteur de services. On va avoir une petite école, mais une école avec un jardin et tout ça. Pas les écoles où les enfants apprennent rien de la nature. Et ça, c'est l'idée. Et c'est pour les régions qui sont détruites. Mais ici, en France, bien sûr, on a beaucoup de villages où on a déjà des gens qui font des bonnes choses. Et on peut joindre-les. Et on peut avoir des petites entreprises. Et ça, c'est quelque chose je trouve très, très bon pour le futur. On a le couple Perrine et Charles Hervé Gruyer au Normandie. Et c'est la ferme du Bec Éloin. Et c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. On a le livre, on a la recherche scientifique. Et ça, c'est vraiment bon. Et ce livre, c'est disponible. Fermedubec.com. Fermedubec est loin. Oui. Et on gagne 40 à 50 000 euros par 1000 mètres carrés. C'est étonnant. C'est beaucoup de travail, mais on gagne assez pour ce travail-là. La qualité est très bon parce que pour arriver là, c'est seulement possible avec une terre vraiment vivante. un bon goût et ils vont leurs produits au restaurant d'étoiles parce que le goût est si bien. Et aussi le jardinier maraîcher, c'est Jean-Martin Fortier au Québec, absolument bon fait. Et ce livre-là, c'est vraiment pour les gens qui veulent gagner de l'argent avec ça. Alors, et avec ça, on peut faire une terre verte, terre vivante. Le climat est équilibré grâce à une végétation permanente. Et on peut avoir beaucoup de jardins forêts. C'est pour les climats chauds. Et ça, c'est quelque chose avec une très grande croissance dans le monde, parce que sur YouTube, on a beaucoup de vidéos sur les projets comme ça, et ça explose au moment. C'est vraiment étonnant. Bon, c'est ça pour l'agriculture régénérative. Merci à votre attention. des questions? En fait, moi, j'ai pas une question, j'ai une suggestion à vous proposer. Il y a un paysan mexicain qui fait pousser, qui fait de l'agriculture, qui parle avec les plantes et qui fait oui.
pousser des légumes, des choux de 45 kilos, des carottes de 6 kilos, des oignons de 6 kilos, sans produits chimiques. Ah oui, oui. Oui. Il y a deux films qui ont été faits, et un livre. Et vous les trouvez sur Internet. Oui, ça, merci, merci. Je vais vous donner l'adresse du site Internet. Alors, c'est magic-trotter, si vous voulez le noter. Peut-être après, mais, oui. Mais ça, c'est vraiment bon. C'est l'interaction d'homme et plante. C'est très important. Et alors, il a travaillé avec l'université d'agronomie de sa région, côté de Mexico, et qui a validé ses recherches. Oui. Donc, il fait du maïs de 5 mètres de haut. Et il fait 60% de rendement à l'hectare supérieur à la culture avec les engrais azotés. Oui. Voilà. C'est étonnant. Et c'est aussi quelque chose que beaucoup des cultures traditionnelles ont fait. On a parlé avec les plantes et je suis en contact avec les plantes aussi. Voilà. Et ça fait la différence, c'est absolument. Et alors ce même paysan, il fait venir la pluie avec des techniques, il appelle ça des techniques d'inertie. Et par exemple, il y a deux films, il y en a un sur l'agriculture et l'autre sur la pluie. Ouais. Et donc on montre comment il a fait le travail en Andalousie. Il y a une sécheresse de 5 ans. Il a fait venir la pluie est tombée. Alors il a activé les chakras de la terre en fait. Oui, voilà. Oui. Il a défini avec le pendule un circuit de chakras. Oui, oui, et oui, ensuite oui. Il les a activés. Dès qu'il a eu fini le dernier chakra, la pluie est tombée à verse. Oui. À tel point que l'église a organisé des processions pour remercier la Vierge Marie d'avoir fait venir la pluie. Merci bien. Et ça, c'est aussi que Dan Winter a suggéré de faire des choses comme ça. On a une science pour ça aussi. Et aussi les Kogi, les Indiens Kogi de l'Amérique du Sud, ils ont fait un grand tour de l'Allemagne et de la Suisse. Et ça a été une sécheresse incroyable. Mais de 13, de 14 jours, on a fait de la pluie. Voilà, des autres questions ou suggestions? Alors, à propos de géobiologie, il y a une école ici dans la région qui s'appelle l'école au Villeroy, qui a été fondée par un gars qui s'appelle Jan Lipnik. Ah. Et donc qui fait du chamanisme scientifique. Ok. C'est-à-dire du chamanisme quantitatif. Okay. On mesure les activations. Okay. Voilà. Et donc il a publié plusieurs livres de bioénergie, de géobiologie, que vous pouvez acheter. Et aussi on peut les télécharger gratuitement. Oui. Et je peux vous montrer comment les télécharger. C'est bien, oui. Merci bien. Alors, on peut finir cette partie-là. Et oui, merci. Et pour... on a annoncé que je vais parler sur les techniques de trauma sur nous. Pour les gens qui sont intéressés pour ça, peut-être on va réunir ici ou peut-être au dehors. Et je peux impose. Et je vais être au dehors et on peut parler sur ça. Parce que comme dans le champ, on a des blocages pour nous et... Les deux, il faut guérir les deux. Merci bien.